Il y a 2 heures, j'ai croisé un connard au parc. Promener River au calme, et lui, il avait un staff. Il passe à côté d'un couple qui avait un chiot en longe, tu vois. Et là, il s'énerve un peu sur le couple. Il se met à dire à voix haute. Il était au téléphone. Oh, ces connards qui promènent leurs chiens sans laisse, alors qu'il y a des panneaux partout disant qu'il faut des chiens en laisse. Faut vraiment être un connard et tout. Je le regarde, j'arrive avec mon chien sans laisse, alors que son staff, il tirait de ouf pour aller voir River et l'engrainer. Moi, River, sans laisse, regarde le staff et passe à côté au calme. Et c'est moi le problème. Alors que son chien, il veut agresser mon chien en laisse, et que River, qui est sans laisse, lui passe à côté en s'en battant royalement les couilles de son chien. Du coup, je le regarde, je dis, si vous avez un problème avec ça, juste éduquez votre chien, non? Parce que votre chien, il est tout sauf heureux là. Il dit, ah, vous promenez votre chien sans laisse et vous osez contredire ceux qui ont les chiens en laisse. Bon, déjà, il avait un staff et pas muselé. Je suis contre ça, hein. Je suis contre museler leur chien et mettre les chiens en laisse. Mais s'il veut être avec la loi, le frérot, il est dans tous les cas, il est en tort parce que son staff n'est pas muselé, tu vois. Mais bon, très culotté de vouloir suivre la loi alors que toi-même, tu la suis pas. Vraiment, il spammait le vocal. Ouais, c'est toi la conne ici. Je dis, oh, ferme ta gueule. Et je suis partie. Il m'a saoulé. Les gens comme ça là, qui n'éduquent pas leurs chiens, tu vois leurs chiens, ils sont malheureux, ils sont maltraités. Ah lui c'est un cassos, ça se voyait le frérot, il avait pas pris de douche depuis 3-4 jours, hein, vraiment.